Je te laisse présenter la race. J'ai même pas fait gaffe, c'est quoi les conditions? Le pire. Kane, Diversity, The Lamb. Ok, commençons par Kane, parce que c'est un bon perso. Et c'est un bon perso parce qu'il a de meilleurs dégâts et une meilleure vitesse que Isaac. Il a deux cœurs rouges, un peu moins de range. Il a plus de luck et il commence avec le paperclip qui lui permet d'ouvrir les coffres jaunes sans utiliser de clé. Donc globalement un bon perso. Et ils doivent donc aller en Darkroom, tu disais. Ouais. Donc après Mom, ils auront le négatif seulement, ils seront obligés de le prendre, passer par Sheol et Darkroom pour aller tuer Zilemb à la fin. C'est un peu plus dur que l'objectif Blue Baby. Et le tout en diversity, ce qui fait qu'ils vont commencer avec 5 items aléatoires, un actif, 3 passifs et un trinket dont ils ne pourront pas se débarrasser. Donc start génial ou start des angoisses, on verra avec quoi ils commencent, ils n'auront pas le choix. Tout dépendra du diversity, hein, si c'est du ça. Mais bon, Kane, généralement ça se passe bien. Ouais, faut voir. Oh, le goéland. Voilà, donc c'est lancé. J'ai un tout petit peu d'avance chez Molfried par rapport à Kyoshiro, mais parce que j'ai eu quelques buffs. Oh, Godhead. Et un excellent trinket. Là, pour le coup, c'est vraiment bien. Pas Kyoshiro qui buffer à l'infini ici. Ouais, pareil. Bon, Godhead, qu'est-ce qu'on cherche avec Godhead? On cherche Death Touch. Ouais. Entre autres. Il aurait pu start Infestation 2. Infestation 2, peut-être. Je sais pas. En tout cas, la diversity. Oh, la TP. La TP. Ah, si, ça se start. Ah. Ouais, il a raison. Ah, obligé, ça se start la TP. Là. Ça se tente. Ah, vite. C'est... Chez moi, je suis Kachiro, ça a des coups. Déco, ouais. Ah là là. Oh, ça a touché le câble chez lui. Ouais, j'espère que ça va revenir. Ouais. Bon, bah, en attendant. On a qu'une race à regarder, c'est bien, on pourra voir toutes les heures que fait Molfried, c'est génial. Je troll bien évidemment. Donc ouais, avec Godhead, il va vouloir du tears up rapidement, parce que 13 de tirade, c'est pas drôle. Le retour de Kyoshiro qui a start tech.5, ce qui est compréhensible. Ah, le tech.5 qui est homing. Bon, du coup, ça. Je pense que ça se voit, les starters. Non, je pense que la TP est largement au-dessus. Mais bon. Ouais, ça dépend. Alors, Molfried ça évolue. Fait une salle, il décide de pas TP. Il va pouvoir voir son item room. Avec. Ah, bah oui. Pieces. Kyoshiro, c'est de nouveau difficile pour lui. Non, non, Molfried, tu peux continuer. Ah, c'est revenu. Oh, le beau Devil Deal pour Kyoshiro. C'est manier à la robe, c'est... Ouh, ah oui, oh là là. La brime? Sérieux? Ah, moi j'aurais pris... Kyoshiro, mais non, que non. Fais-tu? Mais il fallait prendre le vol et la vitesse là. Ah, clairement, vu qu'il y avait le HPUP dehors. Ouais, il aurait pu avoir un truc à deux cœurs pour un. Ouais. Alors, tous les jours, il fallait prendre leurs vitesses. Continue, Molfried. Bon, bah en tout cas, il a un Brimoming, ce qui est plutôt sympa. Ouais, avec un tech.5 en plus pendant qu'il charge. Donc là, je suis d'accord, il a repris l'avantage. Ouais, c'est clair. Alors le. Le beurre, non, jamais de la vie. Oh merde. Ah, Molfried, il a quoi dans son DD à lui? Ah bah, tears up. Ouais. Bon, il prend Gimpy avant, ouais, c'est normal. Et un HP up. Là, par contre, il va se TP, c'est sûr et certain. Sinon, il prendrait pas ce coffre. Ouais. Et la TP qui emmène assez loin. Alors, est-il du bon côté? Normalement, oui.
Voilà, on a vu avec le pacte, ça fait déjà une grosse différence. Pendant que Kyoshiro a trouvé Belly Button, il a une Get Out of Jail qui va peut-être lui servir pour le boss rush. Alors, mon petit trouve Pip. Pip, c'est pas terrible comme boss, mais bon, avec ce build. Je comprends qu'il hésite. Ouais, il y a de la vitesse quand même. Bon, ok, un Tears Up. Le shot bien. Speed, ça fait un peu chier avec Godel. Ouais. Alors, il fait une salisse TP dans la même salle. La meilleure TP. C'est la TP, hein. Des bisous. Alors, Kyoshiro, tu devrais garder The Stars à la place. Ah, c'est tentant, The Wiz, et il le prend. Je comprends. Ouais, moi je suis d'accord. Je comprends parfaitement. C'est rare qu'on le prenne, mais là, ouais, voilà. C'est absolument valable. Oh là là là, TP de merde encore une fois pendant que Kyoshiro passe en Depth One. TP, formidable item, quand ouais, ça veut. Ça peut clairement faire gagner du temps à Molfried dans les étages beaucoup plus longs. Après, Kyoshiro il est bien, hein, vu qu'il avait, il avait eu The Pact, donc le tirade qui lui manquait. Ouais. Et le Dead Cat, au cas où, ça peut servir. Alors, Molfried qui a Scorpio, trouvé son boss. Scorpio. Excellent, Scorpio. Ouais, excellent avec son build. Voilà, Molfried qui a défoncé le boss, Squeezy. Et du coup, il est content Atame. D'avoir mis 6, il passe à 4 ouais. De tirade. On a Atame Homing. Atame Homing, ouais. Alors, la TP pour Molfried qui va l'emmener. Oh, super loin. Par contre, ouais, cette salle chiante. Ah. Ça a pas l'air d'être par là et je pense qu'il va aller en haut avant de se TP. Ah si ouais, c'est un cul-de-sac, il pourra se TP. Par là. Qu'est-ce qu'il a volé dans le boss rush, Kyoshiro, pour utiliser The Stars? J'ai pas bien compris là. J'ai pas vu, le Scorpio c'est en item room. Donc. Ouais, je sais pas. Ah mais non, il est en Depth Swan. Non, non, ah, il... Ça il, sent il, mystique. Oh, je sais pas, j'ai pas vu... Frit qui est pas du bon côté. Et voilà, il sortait. Non, les TP pour l'instant c'est pas fou. Hein. C'est la merde, ouais. Du coup, il va en dessous, c'est toujours pas par là. Rubber Cement, toute la vie. Alors, Tractor Beam, c'était sexy aussi parce que ça fait que les deux tirs vont tout droit. Avec The Wiz. Oh là là, quel enfer, bon, les TP. Les deux étaient très très bien. Du cul pour Molfried. Non, là, les TP, l'étage, merci le jeu. Ok, c'était par là, on bosse. Ok, je repasse ça d'F2, et ouais. Bah, Molfried va pas en tarder plus, à l'arbre. Le plan, c'est... Bah, bon. Alors, une TP, Molfried pourrait repasser devant à ce moment-là, si la TP est bien, elle est merdique. Bah, j'ai envie de dire, maintenant son build est peut-être même mieux que celui de Kyoshiro, ça balaye bien. Impossible. Alors, un cure bleu, il le prend, évidemment. Et si maintenant Kyoshiro il a une double brime avec un cube. C'est par là pour Molfried. Peut-être bien. Pendant que Kyoshiro a le host hat qui va le rendre immunisé, ouais, Molfried qui est à mob. Bon là clairement si dans le boss rush il cherche The Mind. J'ai aucun souci. Abaddon. Oh là là. Parfait. Oh Death Touch. Death Touch. Ah oui oui. Ah bah oui, avec Godel, oui. Oui. Oh là là, ça l'a mis au mauvais endroit, mais. Je pense que ça vaut le coup quand même. Ouais. Parce que là, il peut no brain toutes les salles. Ça va être serré. Kyoshiro sur campus, il va espérer l'Hump of Call. Il a l'Hump of Call. Il a l'Hump of Call, il le prend. Et Molfried qui passe devant. Et qui a eu une TP au boss. T'es sérieux? Il y avait une blanche carte dans le boss rush de Kyoshiro. Et il a pu sa carte, The Stars. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage. Alors là, la vraie salle de merde de Kyoshiro.
Pour Molfried, pardon. Molfried qui se retrouve dans la même salle. Se TP de nouveau, c'est la merde. Non, non, faut la faire, celle-là. Pendant que Kyoshiro a un étage de retard, du coup. Ouais, ça va pas s'améliorer, hein, vu le build de Molfried complètement. Sans le sub 10. Ouais, cette TP a l'air pas mal. Super loin. Kyoshiro qui décide d'arrêter, pourquoi? Ah non. C'est juste une petite pause. Ouais, là il vient de se manger un sacré cul-de-sac. Oh putain, est-ce que c'est un vrai cul-de-sac pour Molfried ou est-ce que c'est par là? Il a touché l'ennemi. Il se ferme, voilà, c'est par ici. C'était pas loin du départ en plus. Ouais. Bon après, Shell, ça m'étonne pas trop. Non mais ça boucle peut-être. Peut-être. Alors non, 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 non. Il est déjà oui. Sur ce match. Oui, Elite Pencil, ça s'appelle. Ah oui. Euthanasia, ça aurait pu être drôle aussi, mais bon, à ce stade... Il a été TP assez loin, mais dans un cul-de-sac. Voilà, si c'est en bas, c'est GG. Pas en bas. Et c'est ici, il va sub 10. GG Molfried. 9,45. Le choix lucide du Wiz. Ouais, ouais. Derrière Godhead, hein. Quand t'as le team rate et les bons items. C'est violent. Voilà quoi, le Godhead au départ, ouais. C'est assez fou. Alors, on a des mutes Molfried. Chez Kyosho, je pense qu'il finira assez vite aussi. Molfried est démute ici. Allô. Oui. Ah, GG. Ah, c'était craqué, Molfried. C'était quoi. Rigolo. Oh, la TP, hein. T'es marré. Vu Diversity. Vu Diversity, la TP, ça me semblait très bien. Wiz, il fallait le prendre. Ah, le Wiz, ah, mais c'était. Va. Évidemment. Puis Rubber Cement derrière pour... Bah ouais, c'était soit Rubber Cement, soit... Les deux étaient jouables. Les deux étaient bien, clairement. Mais le Rubber Cement, il était fou. Hein. Puis le Death Touch en Boss Rush. Ah, le Death Touch en Boss Rush, quoi. Ah, c'était complètement... no brain. C'était no brain total. Rubber Summon, Abaddon, Death Touch, la TP dans le boss, le Magic Mush. Enfin, je me dis ça y est. Ouais, non, mais c'était violent. Hein. C'était hyper violent comme run. Hein. C'est clair. Parce qu'en Tekyoshiro, il a eu bah, Brim, Tech 5, c'est très bien aussi. Après, le risque avec Godhead, c'est que les builds de l'arme peuvent devenir beaucoup plus. Bah, ouais, c'est ça. Hein, tu perds l'aura de Godhead à prendre la Brim. Oh, Kyoshiro, l'Undefined. Ouais, non. Je sais très bien qu'il me chie dessus. Il peut pas vraiment te chier dessus en Darkroom, t'as que deux seuls. La TP a été. Elle m'a un peu chié dessus à certains étages. Ah oui, t'as fait un Depth Swan. Ouais, c'était pas top. Ouais, moi j'ai eu des étages de merde. Oh putain, c'est abusé quoi. Bah, j'esquive beaucoup moi, grâce à la TP au départ. C'est très très bien, cette TP. Très agréable à jouer. Ah, je suis content. D'accord. Quoi, Godhead sera un starter si... Ah, mais Godhead, hein, c'est violent. Hein. T'en faisais partie. Godhead, si c'était starter, ça, tous les jours, tu pars avec. Hein. Tous les jours, tu pars avec. Hein. J'aurais fait le même choix que toi, je serais parti avec la TP. Ouais, c'était TP ou mapping, quoi. Après, j'aurais eu un objet fort, je serais parti avec aussi, mais... Ouais, mais là, c'était parfait quoi. C'est parfait, ça fait du 9,45 avec une petite pause pour remettre le stream de Kyoshiro. Oui, parce que Mako a sauté, ouais. C'est pour ça je savais pas à un moment donné si j'étais premier ou non, vu que j'ai dû relancer le Racing Plus. Ah, d'accord. Bah oui, le goéland. Ah, ces gens qui vont pas sur le Discord, c'est fou. Hein. Ces gens qui vont pas sur le Discord. Il a donné à Maria Sharapova et puis à
qui sait qu'il y a Madoka. Pas de Madoka. Ça. C'est... Alors, 50 réponses. Et... 4 cinquième. De merde. Et par contre, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je cherche Death Touch en starter. Je dis, ah non, ça peut être long. Ouais, ça peut être long. Après, c'est... là, vous pouvez tellement aller vite des deux côtés. Ah non, mais ton starter était bon que Shiro Tech.5. Ouais, ça fait un Tech.5 commune, c'est pas mal. Puis... Bah, c'est surtout, je me dis, voilà, Tech.5 commune. Après, c'est vrai qu'il y avait le délire comme quoi j'étais pas forcément obligé d'avoir du dégât. Quand j'ai vu le Devil Deal. La cérémonial robe, j'étais bien. Ouais, ouais. Moi, j'étais content de voir quoi. Moi, j'étais content de voir le pacte. Hein. Par contre, Yoshiro, quand t'avais un cœur et un HP up en dehors, t'aurais dû prendre Lord of the Two. Ouais, ouais. Non, mais la vitesse, c'est important. Ouais, je sais, je l'ai vu qu'à la fin, quoi.